Salut à tous, c'est Sorator pour une première vidéo sur Rogue Legacy, donc sur PS4. Et donc premier constat, le jeu est en français. Alors j'avais vu des vidéos notamment de Banzai sur le jeu, et c'était en anglais. Hein. Et donc on démarre tout de suite en pleine action. Donc là c'est plutôt une phase de tuto, on apprend à jouer. Alors je découvre le jeu vraiment, c'est la première fois que j'y joue, j'y ai jamais joué sur PC. Donc soyez indulgents. Hein. Et alors je sais pas pourquoi ça a été traduit en français. Enfin pourquoi, par qui surtout. Aïe, d'accord, ça commence bien. Je sais pas si c'est Sony qui l'a imposé ou pas. Et donc je l'ai acheté sur PS4, mais logiquement je peux le récupérer sur Vita et PS3. Le jeu est en cross-buy et cross-save même, il y avait écrit tout à l'heure en haut à droite. Cross-save réussi. Donc je peux passer d'une plateforme à l'autre sans souci. Après pour l'histoire de confort, je pense que je vais jouer hein, sur PS4. Hop, et en plus ça tourne en 1080p. Donc le jeu est peut-être un chouïa plus beau. Attaque basse ici. D'accord. Ok, ok. Ah, j'ai pas pété tous les chandeliers, bon. Ah, attendez. Ouais, il saute pas très haut après avoir fait cette attaque baissée. Alors, je sais même pas si ça sert à quelque chose de récupérer de l'or tout de suite, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Le roi. D'accord. Alors j'ai l'impression que la musique est un peu forte, je vais voir si je peux pas la baisser un peu. Voilà, je verrai un peu plus tard, je réglerai s'il faut. Mais je voudrais pas que ma voix soit trop étouffée par la musique. Descente rapide. Non. Ok. R2, qu'est-ce que c'est? Le générique. Non merci. Eh ben c'est parti. Alors, je ne sais pas ce qu'il a de particulier, parce que normalement ils ont arrêté quel calvaire. Chacun a une particularité. Comment on utilise la magie? En construction. Et ça démarre direct. Ok. Non, mais non, mais juste appuyer sur croix là, mais il n'y a pas de téléporteur, bah oui. Patate. Bon, la musique, c'est toujours la même. Entrée du journal, je vais pas les lire, je pense. Ah, quoique, traître, un assassin a blessé mon père, le roi. Pour ramener l'ordre dans le royaume, il a envoyé mes frères et sœurs et moi dans une quête pour le sauver. Ensemble, nous allons traverser les bois hantés et pénétrer dans le château Hamson. Ce château hanté se dresse à l'orée de la forêt depuis des temps immémoriaux. Il renfermerait un objet capable de soigner tous les maux. Ce soir, je prendrai de l'avance sur mes frères et sœurs et entamerai ma quête pendant qu'ils dorment encore. Échouer lors de cette quête serait faire honte à mon nom. Ok, alors la carte, c'est avec le pavé tactile. Tac, de toute façon, il n'y a rien de plus à faire ici. Alors, je crois qu'il y a des boss en plus. Enfin, je sais pas, bon, on verra plus tard. Et normalement, ouais, j'ai rien, j'ai aucune capacité là. Ouais, on va s'attaquer aux zombies. Voilà. Hop. Pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Je vais essayer de triangle. Ah, rien. Rond. D'accord. Rond, c'est pour lancer une dague. Et je vois un tableau qui bouge. Et on peut pas s'accroupir. Bon. Ah, il m'a touché. Où le trou du cul? Viens ici. Oh, hop. Donc, il faut récupérer un max d'or pour pouvoir booster son perso. Eh, mais j'ai fait une attaque vers le bas. Vilain. Putain, ce qui est dégueulasse, c'est que ça... Il continue sur sa trajectoire. Donc je subis des dégâts si je me bouge pas les fesses. Putain, mais c'est pas vrai. C'est le temps que ça rentre. Ouah, non mais non. Pour moi, c'est pas logique, en fait. Le fait de mettre un coup, ça devrait... Enfin, voilà. Ça devrait le pousser. Alors bon, c'est le temps que ça rentre. Alors les runes courses permettent d'accélérer avec L2 ou R2. Ok. Super! Déjà mort au bout de 2 minutes. Dame Chun-Li. La marge.
homosexuel, ok. Sort H. Elle a faux. Vision. Oulala. Vos membres sont faibles, vous ne pouvez pas projeter vos ennemis. Allez hop. En plus, je récupère du mana sur chaque victime. On prend ça, Chun-Li. Alors, forgeron, 50. On débloque. Alors, il peut fabriquer de l'équipement. Ok. Ok. Ça, c'est la base. Ensuite, plus de mana. Enfin, plus de santé, merci. Améliorer chevalier. Mana ou chevalier, ça y est, ça commence. Ah, on peut appuyer sur triangle pour bloquer tous les dégâts avec le chevalier. Je crois qu'en plus, c'est ce que j'avais, un chevalier, non? Bon, bref. Classe améliorée, oui. Bon, de toute façon, j'ai plus de sous. Mais là, je suis pas un chevalier, non. J'ai même pas retenu le nom de sa classe, c'est génial. Ah oui, mais j'ai pas gardé de sous. Oui, mais de toute façon, ouais, s'il a pas de plan, je sais même pas s'il peut faire quelque chose. Plus de dégâts, mais plus de poids, ok. De toute façon, avec 10 pièces d'or, ouais, je peux rien acheter, ni le casque, ni l'épée. Et normalement... Ah non, mais je l'ai pas encore débloqué non plus, on peut... y a moyen de... Ah, payer quelqu'un pour garder le même château. Parce que dès qu'on rentre, on perd tous ses sous, normalement. Eh oui, le vilain. Et comme vous l'avez pu le remarquer, Dame Chun-Li est barbue. Mais elle a bien une voix de fille. Non mais me donnez pas de la bouffe tout de suite. Si je la laisse, est-ce qu'elle va rester? Je ne sais pas. Le bouquin, c'est la même chose. Ouais. Blablabla. Merci. Non mais chut. J'aurais appuyé sur croix, j'aurais pas dû. Ou sur haut, je sais pas. Ah non! C'est moi qui ai validé entrée 1, j'ai rien dit. La carte, ok, bon de toute façon il n'y a rien pour le moment. Et donc, comme vous pouvez le voir pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ça a changé. Ah, ah, chut, chut, chut. Oh putain. Je vais crever comme une merde, au secours. Dégage. Casse-toi. Ok, alors faut pas que j'hésite à utiliser la magie, j'en récupère dès que je tue quelqu'un. Hein. Déjà, c'est bon de voir que la glace ne passe pas à travers les murs. Hop. Par contre, ma magie passe à travers les murs. Ça, c'est cool. Hop. On va y aller doucement pour pas crever comme une daube. Pour l'instant, on est en mode exploration. Quoi? Mais... Putain. Faut vraiment que j'apprenne à gérer les persos, quoi. Et puis là, je pensais lui sauter sur la tête plusieurs fois et j'ai foiré. Bon. C'est le temps de s'habituer. Ça va venir. Alors, lui, il a l'air d'être géant. Vous êtes né pour le basketball. Alors, mais qu'est-ce qu'il a? Il a un bouclier. Ouais, non, mais non, il est énorme. Je vais prendre des dégâts partout, laisse tomber. Le barbare, le mage. Pour l'instant, le mage, on va éviter. Sinon, je vais crever comme une merde à chaque fois. On va essayer Dame Gwendoline, la barbare. Tu parles avec mes 50 pièces. Je vais pas aller bien loin. Je ne peux rien acheter. Tiens. Ouais, toi, je peux rien t'acheter non plus. Et ben, c'est parti. Hein. Et puis, je suppose qu'il prend tout l'or comme d'hab. Oui, 50. Alors, il me semble que quelquefois, il prend pas tout l'or. Il t'en laisse un peu. Mais, je ne sais pas trop pourquoi. Quoique une mage c'est cool si on reste à distance et qu'on n'utilise que la magie, mais bon. Oh, un tableau qui bouge. Tiens, hop. Putain, mais tous les tableaux quoi, sont démoniaques là. Casse-toi, merci. Hop. Et puis tout à l'heure, j'ai même pas pensé à revenir en arrière. Oh purée, ça passe à travers les... Pour récupérer du poulet, j'en avais laissé. Putain, qui c'est qui me crache dessus là? Là, ça passe à travers. Les yeux. Attendez. Wow, en plein dans la tronche. Putain, j'arrive même pas à me concentrer sur deux trucs de crotte là, sérieux. Entre la boule et l'œil.
mon cerveau n'arrivait pas à suivre. Putain, mais il me saoule les tableaux là, il y en a partout. Tiens. Est-ce que il jette des trucs? Oui. Tiens. Par contre, ouais, alors le chakram c'est bien, mais j'ai pas assez de magie. Hein. Ça se complique. Ouh là là, mais on peut pas passer là. Là, comment vous voulez que je passe? Regardez si je descends. Non, non. Faut une capacité spéciale, je pense. Hein. Ouh et oh, dégage-toi. Parce qu'après, il y a des systèmes de dash. Oh, il y a des runes aussi. Ah, ou quoique, c'est plutôt en remontant. Attendez. Oh, punaise. Où est-ce que je suis allé? Sérieux. Quelle idée. Si c'est bon. Alors, je sais qu'il y a même des passages, par exemple, réservés aux nains. Et on va essayer d'aller voir là. Ou pas. Salut, l'autre. T'attends. Ah, merde, j'ai gâché ma magie. C'est génial. Alors pourquoi il y a des petits points blancs en bas à gauche? Je sais pas si vous les voyez. Il y a combien? 5 points blancs. Tiens. Hop. J'ai plus de magie. Ah, il balance des ondes. Alors, soyons prudents. Ah, ils ont des grosses épées là. Ouh, du poulet. Ah merde, pardon. C'est chiant parce qu'ils réagissent pas tellement quand on les frappe. C'est assez déstabilisant et punaise le truc qui part. À l'infini, c'est génial. Ah, voilà, ça c'est fait, on pète tout le mobilier, on récupère de l'or. Un coffre. Ouh, ça y est, je suis riche. 380, c'est un bon début, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Attendez, vaincre tous les ennemis, ok. On va essayer. Level 8. Hey, je suis que level 3. Wow, 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 wow. C'est qui lui là? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh punaise. Oh punaise. Je suis mort. D'où je suis mort. D'accord. Il était niveau 19. Bon, on va dire que je m'améliore petit à petit. Oh putain. C'est fou. Fou, fou, fou. Alors là, j'avais un barbare. J'ai bien envie de réessayer un mage. Mais lui, il a pas la capacité... Ah si, chaque victime vous offre de la mana. Moi, j'ai du mana, mais c'est pas grave. Est-ce que les dagues, ça passe à travers? Pourquoi les dames, elles sont barbues? C'est n'importe quoi. Chakram, non. Mage. Tiens, j'ai pas essayé la foi encore. Qui s'envole au-dessus de vous. On va tester. J'ai pas regardé par contre le trait. Mince. De la vie, oui, s'il vous plaît. Alors, si on regarde là-dedans. Ah, ça peut être intéressant aussi, même si pour le moment j'ai rien qui pèse. Ah, oui, donc ça débloque d'autres trucs encore. Architecte. Ah, c'est lui qui verrouille le château. Je pense que dans l'immédiat j'en ai pas besoin. Ah, les runes et les pouvoirs magiques, ça en prend. Hop. L'architecte, je vais attendre un petit peu, je préfère d'abord m'améliorer plusieurs trucs. Déverrouiller les pouvoirs cachés des mages. Ah, mais je suis trop pauvre maintenant. 90, je peux acheter un truc ou pas? Non, lui c'est 110. Bon. Ah, est-ce qu'elle vend des runes? Pourquoi elle a des points d'interrogation? J'ai pas regardé c'était quoi son trait négatif à lui là. Salut héros. Puis-je attirer votre attention un instant? J'ai besoin de votre aide. J'étais autrefois, jadis, une enchanteresse très puissante. Mais un jour, les monstres du château ont fait éruption dans mes rêves et ont volé mon savoir. D'accord, oui, il faut récupérer des runes, quoi. Oui, merci. Alors, rune course. C'est ça le dash? L'équivalent du dash? Ah oui, c'est... D'accord. Une rune sur l'épée, une rune sur le casque, ok. Saut. Donc c'est le double saut, ok. Ouais, pour l'instant j'ai pas grand chose et avec mes 90, je vais pas aller bien loin. Et pourquoi il a des points d'interrogation? On a accès à son statut ou pas? Touche option. Classe mage. Carré. Mais je m'en fous de Dame... Non, c'est moi Dame Evelyne, pardon. Je vais voir ce qu'il a. Les sorts vous poussent dans le dos? D'accord.
Comment on revient? Option, pardon. Donc en gros, si j'appuie sur rond, ça vient derrière. C'est très logique. Ah oui, ici, on a mana infini. Donc c'est l'occasion de tester. Putain, voleur. Donc ça, c'est assez spécial aussi. La magie qui sort dans le dos. Allez hop, on avance. Ouh, des pics! Ouh, punaise. Tiens. Normalement, si je trace, ça me fait rien. Oh, wow. Wow. Oh putain, mais non, mais j'arrive pas à gérer là, laisse tomber. Je vais crever comme une merde. Puis l'autre avec sa magie qui part dans le dos. Casse-toi! Le secours! Je joue comme du caca! Hop, je vais essayer d'aller péter un peu de mobilier. Mais pourquoi ça me pousse comme ça quand je pète la plateforme là? Oh putain, cassez-vous! Et d'où il sort lui là? Allez, 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 allez! Je vais crever comme une daube. Putain, mais c'est pas vrai, coup d'épée! Putain, ça m'énerve. Je sais pas jouer, secours. Oh, allez, tête à l'envers, t'as raison. La écuyère. Alors, statistique faible, mais peut infliger des attaques critiques. Ok. Attaque critique. Mais attends, j'ai que des écuyers, comment ça se passe? La championne. Bon dans tous les domaines. Ah, un bouclier de garde. On va essayer. Mais je peux pas projeter mes... Ah d'accord, c'est ça en fait. Quand je suis faible, ça veut dire que quand je les tape, ils réagissent pas. C'est ça qui me déstabilisait en fait tout à l'heure. Je crois que c'est ça en fait. J'ai un doute, mais théoriquement c'est ça. Donc triangle pour se protéger. On va essayer de s'en servir. Avec mes 60 pièces, je vais pas aller bien loin. C'est reparti. Alors début très difficile, hein. Mais bon, c'est un peu normal, je pense que tout le monde est passé par là. On peut pas maîtriser le jeu dès le début. Attendez, là, wow. Mais, oh putain. Arrêtez d'être méchant avec moi, putain. Non mais il y a trop de monde là. Chut. Putain, et la faiblesse musculaire c'est une horreur. Oh putain, mais d'où il sort lui? Putain. Je joue comme du caca. Oh putain, mais... Bordel, 9 PV, allez! Eh mais elle saute moins haut que les autres. Mais non, 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 non. On va se calmer, s'il vous plaît. Oh, allez, d'où elle sort, ces boules de feu, là? Si je savais d'où ça venait, déjà. Ah, mais ça vient droit, en fait. J'ai l'impression. Alors attendez, voilà, merci. Alors 70 pièces d'or, il faudrait que je récupère beaucoup plus parce que là. Ça se tue ces machins ou pas? Ouais, c'est là que j'arrive à viser. Oui, ça se tue. Alors attends, saute pas trop. Oh putain, je vais crever comme une merde! Dernière magie, je l'ai eu. Bon. Je suis complètement à vide, c'est génial. Plus de PV, plus de mana. Mais, oh, j'arrive pas à gérer les sauts et à taper au bon moment. C'est que je tape trop tôt et là, je sais pas pourquoi j'ai pas tapé en bas. Ah là, un coffre. Super, un peu de sous déjà. Hop, donc ce perso n'aura pas servi à rien. Est-ce qu'il y a des trucs en bas qui m'attendent? Ouh, putain! Naze. C'est difficile, hein. Oh là là. Le barbare. Vous n'avez aucune vision périphérique. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Le champion. Absence de poux dans les pieds? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, on prend, il a un bouclier. 190. Dégâts magiques. 360, il n'y a pas assez. Il me faut de la vie, oui, de la vie. Hop. Ouais, j'ai pas de sous, salut. Je suis un clochard. Hop. J'ai pas essayé sa magie. Mercredi.
C'est pas ce que ça fait. Hop. Ça se pète pas, ça. Je pense pas. Putain, mais... ils sont vaches, hein, placer les tonneaux comme ça, là. Pourquoi ils tremblent? Je ne sais pas. Oh, punaise. Au moins, le jeu répond bien, ça c'est déjà bien. Si on se foire, c'est de notre faute, c'est pas de la faute du jeu, ça c'est sûr. Vas-y, balance ton os, toi. Hop. Attendez, les chandeliers... j'oublie à chaque fois, hop. Ouais. Alors, moi qui ai du mal à gérer ces plateformes-là, hop, on dégage. Oh, wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Mais putain. Je joue comme une merde. Allez, des pics, hein, bien sûr. Ça rend tout de suite la chose beaucoup plus rigolote. Ah, quoique, bah, j'ai pas de poule dans les pieds. C'est peut-être ça, alors, sa la caractéristique spéciale. Il déclenche pas les pics. C'est cool, ça. Oula, eh, wow, 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 calmez-vous, les gens, là. Ça mène partout. Oh, putain. Et oh, 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 magie. D'accord, ça lance des pics qui rebondissent partout. Mais alors, attendez, y'a moyen de rebondir plus haut ou pas avec... je sais pas. Ah, mais... putain... putain, j'ai déclenché un tableau, tout va bien. Mais dégagez, bordel! Putain, mais c'est quoi tous ces tableaux, là, d'où ils viennent? Ah! Ah, mon dieu. Chut, on va essayer de les esquiver un par un, vas-y, finis. Oh putain, mais c'est pas vrai, il y en a trop! Et vous là, d'où vous venez tous? Putain, mais c'est pas vrai! C'est quoi ce jeu? J'ai plus de mana, mon dieu! Alors, je meurs par les tableaux ou par les mages? Je sais même pas s'ils gardent les dégâts qu'on leur fait quand on change de. Faudrait que j'en tue un là. Oh putain! J'ai pas assez pour lancer ma magie. Oh bordel! J'en ai marre. Enfin, j'en ai marre, non, c'est rigolo, mais je joue comme une crotte. Le barbare. On va essayer un géant ou pas? Sachant que les MP et les PV sont inversés, donc je vais avoir très peu de vie. Vous ne voyez pas en 3D. On va tester. Allez, c'est parti pour Dumbrine. Alors avec 200, l'architecte, pas pour le moment. Il y a moyen normalement d'augmenter les dégâts là. Comment on fait? C'est pas tout de suite. Alors, ouais, dégâts magiques plus. On prend aussi. Ouais, bah je peux rien prendre de plus. Hein. Hop hop hop, on s'améliore petit à petit, c'est l'essentiel. Oui, pique-moi mes sous. J'ai un voleur. Allez, j'ai pas essayé ma magie, mais je crois que ça fout juste une épée devant lui. Ou elle. C'est vrai qu'une fois que les persos bougent, on voit pas trop si c'est féminin ou masculin. Ah, ah oui, d'accord, elle est aplatie. Ok. Hop là, voilà. 160 déjà? C'est bizarre ça. Tiens. Vas-y, viens, viens de prendre un autre dégât. Non, d'accord. Il n'a pas voulu. Putain, mais les MP ça descend trop vite là. Si on n'a pas un magicien. Alors attendez, on va aller voir plutôt sur la droite. Ça m'inspire un peu plus. Oh punaise. Je sais pas comment j'ai échappé à ça. Ah non, c'est pas qu'elle est plate, c'est qu'elle voit plat. C'est pas la même chose. Parce qu'elle voit les ennemis plats. Mais retourne-toi, patate! Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oula, oh, oh, oh. Hop, chandelier en haut. Ah, rien, super. Il y a un œil qui nous crache du sang, je sais pas qui crache. Ça, ça passe à travers le mur. Soyons prudents, hop hop hop. On continue. Attendez, j'ai trouvé 100 dans un objet de merde. Pourquoi pas? Non, de toute façon, ça me touchait pas. Ouh, y'a un magicien géant.
Mais qu'est-ce qui crache? Chut. T'as un plus grosse les boules de feu, tu sais. Ah là là, bon Dieu, je vais crever comme une merde. Oh putain. Mais y'a des trucs partout. Et l'hôtel saute pas quand je lui dis de sauter. Mon Dieu. Mais quelle idée de jeter des trucs comme ça. Crève. Putain, mais comment je fais pour esquiver ça, sérieux? Ah bah si, ça marche. Je vais pas crever juste, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Un poulet. Mana, c'est déjà ça. Oh putain. Mais l'autre, il me saoule à me cracher dessus aussi, ces petites boules de feu de merde. D'accord. Putain. Heureusement, j'ai des PV, hein. Oh là là. Merde, oh là, enfin. Toi là, tu balances des ondes? Non, tu balances pas d'ondes. Alors attendez, on va essayer de le choper. Alors heureusement que c'était pas ne subir aucun dégât, sinon c'était la cata. Tiens. Ouf, rune. Saut. C'est pour la cape. Parfait, je vais pouvoir améliorer un petit peu plus mon perso. DHP, c'est cool. Hop. J'ai plus ou moins fait le tour, ouais, allez. Ouh, le vilain tableau mal caché. Non, ils réagissent pas quand je les frappe, les tableaux. Hein. Ils continuent sur leur trajectoire. Hein. Putain, ils sont... Mais comment tu veux... Bah, attendez. Non, ça va pas. Toi, tu me... Ouh, et oh, je le tue plus en un coup, là. C'est quoi, cette blague? Pas du poulet caché dans une table ou un chandelier? Je descends. Vaincre tous les ennemis. Non, attendez, on va essayer de récupérer des PV d'abord. Est-ce que ces ondes passent à travers? Non. Mais dégage! Allez. Putain, cette boule-là me fait gaguer. Il faut vraiment que j'améliore mes dégâts. Aïe, punaise, je me suis foiré sur le dernier coup. Il me faut de la vie, s'il vous plaît. Attendez, c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est un boss? Non, ça veut dire qu'il y a un... J'ai rien dit. Le logo vert sur la map, ça veut dire que... Il y a un tableau. Oh putain, mais plusieurs magiciens, mais c'est ça, mais... Cassez-vous! Putain. Oh putain, mais c'est fou! Et cet œil me fait chier aussi! Hop. Les gros CP. Putain, mais frappez là, que je puisse contre-attaquer. Merci. Niveau 11. J'ai toujours les dégâts de base. Mets un petit coup dans le vent là, non, tu veux pas? Hop. Il m'a rien donné, c'est trop sympa. Allez, tape. Tape. Merci. Oh putain. Mais d'où? Je le touche, il me tue. C'est n'importe quoi. Bordel de merde. Sur ce, on va s'arrêter là. Donc voilà. J'ai passé ouais, une petite demi-heure. Donc c'est très très sympa, j'aime bien le style. On crève en boucle, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais je trouve que c'est bien foutu. Donc je vous dis ben merci d'avoir regardé cette première vidéo. Et à la prochaine pour la suite. Salut !